Rallier la capitale du Bundu en cette période hivernale relève d'un véritable parcours du combattant et parfois même quasi impossible. En effet, plusieurs ravins et radiers sont submergés par les eaux. Conséquence, des villages et communes du département de Goudiri restent coupés du pays. Dire certaines préoccupations des populations, à savoir les problèmes liés à l'enclavement. J'ai parlé principalement de la route Tamba-Goudiri, quand même, qui est dans un état chaotique, qui nécessite vraiment une prise en charge très très rapide. Quand même, on a eu plus de 250 km de pistes au niveau du département de Goudiri. Mais il faut le dire, c'est un département qui est extrêmement vaste, qui fait plus de 17 000 km². Il y a encore des villages qui sont complètement coupés de Goudiri commune ou bien des gros villages. Et il est nécessaire quand même qu'il y ait un programme spécial pour une région périphérique comme Tambacounda, des départements comme Goudiri, qu'on puisse quand même rattraper le reste du pays en termes de désenclavement. Les populations du département de Goudiri exigent également l'érection d'une brigade des sapeurs-pompiers. Donc on a aussi parlé de la brigade de sapeurs-pompiers. Nous nous battons depuis plus d'une année pour que cela puisse se réaliser et nous comptons vraiment sur le gouvernement pour accélérer les choses afin que Goudiri puisse bénéficier aussi de cette infrastructure-là. Sur les raisons d'une telle exigence, les explications de Djimo Soare, porte-parole des populations. Vous savez, nous sommes dans un département quand même de 17 000 km². C'est un département rural, il y a la forêt, il y a énormément de problèmes d'incendie et autres. Donc aujourd'hui, Goudiri est une zone quand même qui est assez éloignée de Tambacounda ou de Bakel. Et à chaque fois, en cas de catastrophe naturelle, les populations sont laissées à elles-mêmes. Donc il est vraiment nécessaire d'avoir cette brigade-là ici à Goudiri. Ces populations qui procédaient à l'ouverture du tribunal d'instance de Goudiri invitent par ailleurs le chef de l'État à prendre en charge leurs préoccupations. Al Sandialo Goudiri, Radio-Télévision Al Fadjri.